un anniversaire particulier. Le 21 avril dernier, Elisabeth II célébrait son 95e anniversaire quelques jours après le décès du prince Philippe. Si son cœur n'est pas à la fête, et que cette dernière s'adapte à la vie sans le duc d'Édimbourg, le défilé Trooping the Colour aura bel et bien lieu le 12 juin prochain afin de célébrer officiellement son anniversaire. Comme le rapporte le Daily Mail, la mère de la princesse Anne et des princes Charles, Andrew et Edward sera accompagnée par son cousin, le duc de Kent, lors de cet événement. En 2013, ce dernier avait déjà assuré ce rôle alors que le prince Philippe se remettait d'une opération. Selon des sources du palais, Elisabeth II envisagerait maintenant de s'engager personnellement après la mort du prince Philippe et avec l'assouplissement des restrictions du Covid-19. En effet, elle serait très enthousiaste à l'idée de rencontrer du monde. Il y a un fort désir de revenir aux fonctions normales et pour le pays de revenir à la normale également, a déclaré la source au Daily Mail. De plus, alors que l'année dernière, l'anniversaire d'Elisabeth II n'avait pas pu être célébré comme il se doit en raison de la crise sanitaire, les membres de sa famille souhaitent qu'elle soit accompagnée lors d'événements tels que Trooping the Colour. Désirant être active pour son pays, Elisabeth II se rendra ensuite à Cornwall pour le sommet du G7 des principaux pays industrialisés où elle accueillera le président américain Joe Biden ainsi que des représentants du Canada, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie et du Japon. Elisabeth II souhaite être plus proche de son peuple alors qu'elle vient de perdre son mari, Elisabeth II souhaiterait être plus disponible pour son pays. Lizzie Robinson, experte royale, a en effet confié, « Je pense que le Royaume-Uni commence à s'ouvrir. Cela signifie que la reine et la famille royale peuvent sortir un peu plus et faire un peu plus. Bien sûr, pour eux, il est vraiment important de pouvoir voir les gens en face à face. Ils ont tous été très désireux de pouvoir le faire. Dès qu'ils le pourront, nous en verrons plus et cela inclura la reine. »